présente lors de la première de la série Ta Lasso, lundi 5 juillet 2021, que Cha est apparu métamorphosé. Habillée d'une tenue très moulante, la chanteuse de 34 ans a dévoilé ses plus beaux atouts face aux photographes. Ses dernières années dans la presse, lorsque Classe Égale à HRL que Cha faisait les gros titres. C'était majoritairement en rapport avec son ancien manager, Dr. Luc. Pour rappel, cette dernière était sortie du silence début 2014 en accusant ce dernier de viol, de harcèlement sexuel et d'agression verbale. Des accusations graves qui ont été portées devant le tribunal et auxquelles cette dernière a ensuite apporté d'autres noms à la liste des victimes. Depuis, elle a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités, à l'instar de Lady Gaga, mais aussi sur celui de ses fans à travers le monde. Aujourd'hui, la star d'aujourd'hui 34 ans s'est fort heureusement remise à travailler et a repris goût à la vie. À de nombreuses reprises, elle d'ailleurs a été aperçue sortant de séances de sport ou durant ses joggings. Et il faut avouer que son nouveau rythme de vie semble porter ses fruits puisque la chanteuse a réussi à retrouver sa taille de guêpe. En témoigne sa récente présence le 5 juillet 2021, lors de la première de la deuxième saison de la série Ted Lasso. À Los Angeles, habillée d'une robe noire, résolument très moulante, que Cha a définitivement mis ses atouts en avant. À savoir un maquillage irréprochable de près comme de loin, un décolleté plongeant très sensuel, mais également une taille parfaitement marquée. Cette récente apparition résonne comme un véritable accomplissement pour que Cha. À titre de rappel, début janvier 2014, la star avait été internée dans un établissement de réhabilitation, à Le Mont, dans l'Illinois, afin de guérir ses troubles alimentaires et son anorexie. Aujourd'hui, l'interprète de Praying a indéniablement retrouvé sa forme, son estime de soi et surtout sa santé.